là, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce sur Xbox One. Parce que souvent, ça arrive que quand on met des jeux à un CD ou des jeux qu'on a sur le disque dur, ils ne marchent pas, surtout ceux-là qui sont en CD. Des fois, ça arrive que ça se relance et des fois, ça c'est chiant. Il y a certains jeux qui le font. Quand vous l'avez sur le disque dur, ça arrive rarement. Alors là, je vais vous montrer de suite l'astuce. Vous allez sur Paramètres. Hop. On va le mettre direct. Vous allez sur votre disque et Blu-ray. Voilà. On a l'option. Et là, vous voyez en bas que vous avez stockage persistant. En fin de compte, vous cliquez dessus. Hop. Et là, il y a marqué vider le stockage persistant. Vous cliquez, vous le videz, il n'y a aucun problème, vous n'en faites pas, ça gêne à rien. En fin de compte, ça va vider certains programmes qui s'installent avec quand vous installez un CD ou un Blu-ray ou un jeu, ça peut arriver qu'il y ait quelque chose qui s'installe et après ça peut foutre le problème. Peut avoir un problème sur le CD qui veut pas s'installer ou qui veut pas se mettre le jeu, qui se relance, alors ça c'est assez chiant. Ou des fois il faut débrancher la console ou vider le cache système en restant appuyé pour éteindre la console sur le bouton power. Voilà, c'est une petite astuce qui vous permettra de bien relancer vos jeux, qui aura plus de problème. Alors j'espère que ça vous aura aidé. Moi ça m'a bien aidé parce que j'avais un jeu sur deux là qui voulait pas se lancer des fois et grâce à ça me l'a enlevé le problème. Voilà. Allez, je vous dis à plus. J'espère que ça vous aura aidé. Ciao!